Ouais, bon. De toute façon, ça fait 3 ans, il n'y a pas de sapin. Je vois pas pourquoi je continue à me faire chier. On va le mettre là, et puis voilà. Oh, les gens, comment ça va? Papa est de retour. Voilà, voilà. Bon, bah, rien de plus à ajouter. Je pense qu'on peut terminer la vidéo de Noël là-dessus. Et non, c'était une boutade. Oh oh oh. C'est vrai, j'ai toujours ça dans le dos. Ça fait un an que je l'ai pas enlevé, son machin. J'ai mis le masque par là, je crois. Non, il est où? Dis-moi pas qu'il a rangé quand même. Oh, incroyable. En un an, il a rangé son masque. Je pensais pas ça possible. En un an, son décor est toujours aussi dégueulasse, par contre. Oh, c'est quoi tout ça, là? Toutes ces merdes. Oh. Oh là, oh. Je me suis assagi au fil des années, moi. Et ben c'est bon, on n'a plus rien à faire, hein? On n'a plus rien à faire. Surtout moi, j'ai plus rien à faire. J'ai plus aucun boulot, vous savez. Techniquement, mon boulot, ça se résume juste à exister, hein. Bah oui. Si, des fois, j'offre des cadeaux à des gens, mais c'est rare. J'offre à peine une centaine de cadeaux par an, quoi, c'est pas non plus... Les cadeaux qui apparaissent mystérieusement, c'est moi. Eh oui, c'est papa. Oh. Ah oui, à tous les petits cons là qui me disent dans leur liste de Noël, un mois pour Noël, je veux mon papa. Eh ben, niquez-vous. Moi, je viendrai pas chez vous. C'est dingue ça. À chaque fois, je viens là. Chaque année, je viens là. Et chaque année, je sais pas quoi faire. Je lui fais une promesse. Je sais plus pourquoi. Ça remonte d'il y a des années. 4 ans, c'est beaucoup pour moi, 4 ans. Oui, je suis très vieux de quelques centaines d'années, mais ça reste beaucoup pour moi, 4 ans. 5 ans, je sais plus, j'ai la mémoire qui flanche. Je sais même plus pourquoi je lui ai dit que je viendrai chaque année. C'est peut-être la fin. Peut-être que ceci est ma dernière apparition sur cette chaîne. Eh oui, que voulez-vous? C'est la vie. Moi, j'ai plus rien à faire. Hein. J'ai plus rien à faire. Non, non, non. Si si je me rappelle, si vous avez déjà, j'avais prévu de ce moment, c'était mon foreshadowing à moi-même. Je vous avais dit il y a un an, je crois, de poser des questions ou je sais plus quoi. Mais du coup, c'est bien, on va lire les questions, non? Ouais ouais ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, faut que je remonte à... Un an. Il a rien branlé. Non, premier degré, il a rien branlé cette année. Eh ben, dis donc. Ça, c'est une annonce. Ça, c'est Halloween, on s'en fout. Ça, c'est un truc spécial. Ça, c'est une vraie vidéo. Ça, c'est une vraie vidéo. Ça, c'est un poisson d'avril. Ça, c'est une vraie vidéo. Ça, c'est une vraie vidéo. Ou un troll, je sais pas. Ça, bah, c'est le truc de chaque année. Eh oui, il a rien branlé. Et ça, c'est moi. Oh, c'est moi, la star. Je suis plus représenté sur cette chaîne que sur n'importe quel autre. Ta gueule. Non, ta gueule, j'ai dit moi-même. Oh, tu arrêtes. Et c'est triste, il est tout nu. Alors déjà, je m'habille comme je veux, hein? C'est pas une question, ça. Et c'est ainsi que l'oxyvre... C'est pas faux. Mais en fait, Père Noël, pourquoi les enfants du tiers-monde, ils ont jamais de cadeaux? Parce que c'est pas mon problème, que... Qui s'est cru où, lui? MDR, le Père Noël, un peu ta gueule. Je t'emmerde. C'est pas parce que c'est vrai que ça veut pas dire que t'as raison. Je sais plus. Oh, Père Noël, toi qui es si grand et si fort, si beau, si vieux... Oui, si... Je suis vieux, c'est vrai. Est-ce que tu peux aller dans la rue et crier « Abonnez-vous à l'Oxyve ?» C'est quoi le mot que t'as pas compris dans question? Débile. Oh. Pourquoi 2 plus 2 est égal à 4? Parce que... C'est quoi ces questions de merde? Parce que 2... Bah oui, c'est quoi? Ah ouais, non, il y a une réponse, mais elle veut pas apparaître. C'est magique. C'est la magie de Noël. Wouh. Père Noël, pourquoi j'ai l'impression que t'es passé que 2 heures au montage?
C'est pas moi qui fais le montage, t'es con. Bah, j'ai la flemme. Parce que j'ai passé 2 heures au montage. Il est pas marrant à monter, hein, vous savez. C'est un vieux sénile et tout. Il laisse beaucoup de blanc. C'est compliqué de devoir tout couper. Cette vidéo, à la base, elle faisait 30 minutes. Hein. C'est pas drôle, en plus. Quoi, c'est vrai. Pourquoi t'es moche? Pourquoi t'es... beau? Tu peux venir chez moi? Non. Est-ce que tu connais NordVPN, Père Noël? C'est censé être drôle parce que je vais au pôle Nord? C'est censé être une blague du fait que je vais au pôle... C'est ça, fils de pute? Ah oh, bah, tu tombes bien, Père Noël. Moi, à Nolé. Ils savent même pas écrire, c'est con. J'avais commandé un bécherel et j'ai eu un dinosaure de l'espace grandeur nature violet. Tu crois que tu te fous de ma gueule un peu? Eh ben, c'est ton problème si tes parents ils sont riches, je m'en branle. Qu'est-ce qu'il nous dit, dinosaure violet, là? Déjà, j'étais un dragon, pas un dinosaure. Oh, les voisins, ils sont pas contents en dessous. Hein. L'affiche avec Crème et Emilia, c'est oui, un grand oui, mais... Et il parle de son poster de con, là. Son poster de Weeb. Quelles sont tes opinions politiques? Alors, enfin une vraie question. Mon ref. Connais-tu actuellement la situation politique du pôle Nord? Bon, bah voilà. Pour ceux qui n'auraient pas compris, ça veut dire une guerre. Car actuellement, tous les pays se font la guerre pour avoir le monopole du pôle Nord. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Y'a rien. Y'a rien là-bas. Père Noël, tu penses quoi du prénom David? C'est un prénom de merde? C'est oui? Alors tu as bien raison. David, bah c'est l'un des meilleurs prénoms du monde. Moi, de mon temps, les gens s'appelaient David. Alors si aujourd'hui, les gens s'appellent encore David, eh ben c'est que c'est un bon prénom. C'est tout. C'est tout. Oh, il y a eu un copyright pour la chanson de Noël. Bon, bon, moi je vais vous laisser. Salut. Couille, c'est perdu, là. Oh, tu cours encore. Oh.